Oh, 1h15 de retard, c'est rien. C'est mieux qu'hier. Hein. Ne regarde pas mes mains, elles ne sont pas innocentes. Je n'ai pas volé de pain, il y a pire qui me tourmente. Je n'ai pas touché au vin, n'est pas utile que tu me sentes. Depuis qu'on voyage et mes mains, c'est la luxure qui me hante. Je ne saurais le cacher, je ne sais pas prendre la tangente. Ben voilà, j'ai tout avoué, impossible que je te mente. J'ai regardé et touché quelques très belles plantes qui n'ont cessé de pousser vers moi leurs fleurs si charmantes. Mais voilà, je n'ai pas créé ça. Ce tralala est né bien avant moi. Mais voilà. La musique, j'ai l'impression, a toujours fait partie de ma vie. J'ai chanté à l'église quand j'étais petit. J'ai fait le conservatoire à partir de l'âge de 8 ans. J'ai fait le solfège, la flûte à bec et la flûte traversière. J'ai fait un an dans la chorale aussi. Ensuite, j'ai commencé à composer et là, une fois que j'avais écrit ma première chanson, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Peut surprendre, faut me croire. Assez parlé au boulot, il va bientôt faire voir. Mais voilà, je n'ai pas créé ça. Mes influences, j'aime beaucoup écouter un peu de tout, je m'inspire un peu de tout, je veux pas me limiter. Mais un chanteur par-dessus tout que j'aime bien, qui s'appelle Brian McKnight, il est assez connu. Il a commencé à l'église comme moi, et comme lui, j'ai un peu une influence un peu gospel. Après, j'aime beaucoup Ben l'Oncle Soul, qui est pour moi un petit génie, on va dire, qui a su remettre au goût du jour la soul américaine, mais en français. Et pour ça, je dis chapeau. Mon plus grand défaut, tout le poids de ma croix. Si c'est tout ce que je vends, allez-y, abattez-moi. Le concours, une amie m'en avait parlé. Je suis parti voir et là, j'ai compris que c'était un concours de composition. Je me suis dit, pourquoi ne pas présenter les miennes, vu que j'avais déjà commencé à écrire. Et puis, j'avais vu qu'il y avait l'enregistrement d'un disque à la clé. Je voulais voir ce que ça vaut dans un studio professionnel, avec un arrangeur professionnel, avec tout ce qui vient pour faire un morceau. Je voulais voir vraiment si mes chansons avaient de la valeur. Et bien avant moi. Pays de la musique, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a fait rencontrer d'autres artistes amateurs comme moi. Après, j'ai eu de la médiatisation quand même. J'ai été exposé un peu dans les journaux, etc. Ça m'a fait connaître. Plus, j'ai eu l'expérience en studio, dans un studio professionnel. J'ai rencontré des artistes vraiment formidables, qui sont super bons. Alors là, j'aurais jamais pensé travailler avec eux un jour. Je suis super content de ça. Bah, mes projets, je n'en ai pas d'autres que celui sur lequel je travaille actuellement, c'est-à-dire mon single. Et puis l'enregistrement d'un clip vidéo. J'ai l'ambition de faire un album plus tard, un album avec d'autres compositions à moi que j'ai déjà et d'autres peut-être que j'ajouterai, que je composerai. Après, je veux faire des tournées aussi, et je vais être au même titre que ceux qui vivent de leur art, comme Alain Ramanissom, Triton, et pourquoi pas une carrière internationale, être aussi connu que Axel Tony, ça c'est le summum, on va dire. C'est ce que j'aimerais vraiment. I give you all.